Meghan Markle et Harry ne regrettent, pas du tout, leur vie à Kensington avec William et Kate, la meilleure décision de leur vie depuis qu'ils ont quitté le palais de Kensington pour le Frogmore Cottage. Meghan Markle et le prince Harry vivent une véritable mélodie du bonheur, à l'abri des regards indiscrets. Une nouvelle vie que le couple de Sussex savoure avec leur nouvelle addition, le petit Archie Harrison. Meghan Markle et le prince Harry nagent en plein bonheur. Quelques jours après la naissance de leur petit Archie Harrison, le couple profite de précieux moments d'intimité en famille, loin des photographes et de la frénésie du palais de Buckingham. Désireux de profiter des premiers moments de vie de leur nourrisson, les époux de Sussex ont d'ailleurs limité les visites des membres de la famille. Tenus à l'écart selon les rumeurs, Kate Middleton et le prince William auraient d'ailleurs été contraints d'attendre plus d'une semaine avant de rencontrer leur neveu. Alimentant pendant plusieurs jours les soupçons de tension entre les deux couples. Installé au Frogmore Cottage, situé à Windsor, à une trentaine de kilomètres du palais de Kensington, Meghan Markle et le prince Harry vivent dans un cocon doré, dont le prix des travaux de rénovation avait particulièrement agacé le contribuable. La résidence, qui leur a été offerte par la reine Elisabeth II, n'aurait pas pu mieux tomber pour les époux de Sussex, qui ne regrettent pas une seule seconde leur choix de quitter le palais de Kensington. L'énergie du Frogmore Cottage est bien meilleure que celle du palais de Kensington. Sur le domaine qu'il partageait avec Kate Middleton et le prince William. C'est vraiment un nouveau départ pour eux, a confié une source proche du couple au Daily Mail. La meilleure décision du couple. Meghan Markle et le prince Harry ne veulent plus vivre à côté du prince William et de Kate Middleton. Déménagement en vue pour le couple de Sussex installé dans un cottage dans l'enceinte du palais de Kensington depuis leur mariage. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle seraient sur le point de déménager. La presse britannique croit savoir ce qui se cache derrière cette décision. Après ses fiançailles avec le prince Harry, en novembre 2017, Meghan Markle a officiellement emménagé à ses côtés dans l'enceinte du palais de Kensington. Distant des ailes principales et des appartements aux innombrables chambres et salons, le couple a élu domicile dans le Nottingham Cottage, parmi les plus petites demeures de la propriété royale. Installés dans cette gentilhommière avec deux chambres, les époux de Sussex ne se trouvent qu'à quelques mètres des appartements du prince William et de Kate Middleton. Pourtant, à en croire le Daily Mail, les futurs parents seraient sur le point de quitter leur nid douillet. Selon le quotidien, le duc et la duchesse de Sussex souhaiteraient trouver une plus grande demeure afin que leur enfant à naître bénéficie de davantage d'espace. Voilà en tout cas une raison acceptable. Le Daily Mail n'oublie pas d'évoquer une autre raison, plus délicate, le rafraîchissement des relations entre Meghan Markle et Kate Middleton pourrait être à l'origine de cette soudaine envie de changer d'air. Selon une source citée par le Daily Mail, Harry et Meghan ne veulent pas vivre à proximité de William et de Kate. L'appartement 1 du palais de Kensington avait un temps été envisagé comme la future demeure pour du couple de Sussex. Les actuels résidents du bâtiment, le duc et la duchesse de Gloucester, refuseraient toutefois de quitter les lieux. Une volte-face qui arrangerait finalement Meghan et Harry, l'appartement 1 étant mitoyen avec l'appartement 1 à occuper par les époux de Cambridge. S'ils n'ont pas encore fait savoir où ils comptaient élever leur enfant, Harry et Meghan seraient plus que jamais décidés à l'élever loin des murs du palais. Il n'y a pas de raison que Kensington soit obligatoirement leur lieu de résidence, précise une source au Daily Mail. Il existe de nombreuses autres options,
comme l'achat d'une demeure personnelle avec ses propres deniers. Ambiance.